نتكلم إن شاء الله في هذا الموضوع في تماسك الأسرة المسلمة، ثم نتكلم على كيف يعيش الإنسان مندمجاً في بلاد المهجر نتكلم إن شاء الله في هذا الدرس، à suivre bien sûr des cours précédents, sur comment on va gagner Une famille bien solide, comment euh, la famille musulmane reste bien solide entre elles. D'abord, euh, en, en, quand on cherche quelque chose, il faut d'abord chercher dans les sources idéales. La source qu'on a, c'est le Coran, le Karim. Après, la, sou la deuxième source, c'est le Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa Allah, ta'ala, ta nous dit dans surat al isra وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا ارحم يا رب العالمين دونك لا C'est le Coran, le Karim. Pour que la, la famille musulmane reste bien soudée, reste comme un seul bloc. Allah ta nous a dit dans le surat al Isra, C'est un jugement d'Allah Allah, Allah, il a dit, l'adoration totale, il soit Allah, Ta'ala. Tout de suite, il a parlé des, des parents. Et avec les parents, un bon comportement. Le bon comportement avec les parents.

وبالوالدين احسانا حتى في النبي حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي قالت له يا رسول الله ان ان ام جاءتني وهي راغبه هي خارجه عن الاسلام كيف اتع قال لها الهص... كيف اتعامل اتعامل معها قال صلى الله عليه وسلم احسني معاملتها ميم سي سون با مسلمون تي بارون ميم سي سون دون دي شوز كي سون با بيان يل فو با تشيرشي ا كومبونتر يل فو ك تي ان بون كومبورتومون افيك لي بارون Comme ça, Inch'Allah, la, 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 la famille, elle va rester bien soudée. Elle va rester comme un seul bloc. Et aussi les parents, il ne faut pas dire seulement, euh, « Moi, je veux mon enfant qu'il soit comme ça. » Il faut bien écouter les enfants. Il faut bien parler. Il faut leur donner la chance de parler avec eux. Parce que peut-être ils en ont des solutions que vous, vous n'avez pas. Il faut parler, il faut discuter. Ici, si on discute, si on met les choses sur la table et on discute bien, اون ان شاء الله تخوفي دي سوليسيون الله عز وجل قال وبالوالدين إحسانا وقدر قال لا تعبدون الا بالوالدين إحسانا إما يبلغ عنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفين ولا أوفين هذه كلمة سهلة عند الناس أوفين كلمة سهلة عند الناس يخرج الإنسان لأن يقول علماء اللغة بأن الفاء هي يعني حرف خفيف جدا أوفين هي حرف خفيف يعني الانسان إن يتكلم بها ولكن هي عند الله كبيره ما حتى تقولها للوالدين عند الله تبارك وتعالى تزين كثير عند الله عز وجل. اذا حاول ما تقولش هذه اوف الوالد تاعك. عاد ما تغوتش عليه وما تقولش الكلام اللي ما يصلحش. ثم الوالد لابد ان ينصت الى ابنائه. وان يشاركهم في الحوار والام كذلك تنصت الى ابنائها وان تتحاور معهم وأن لا تفرض رايها كيفما كان. Il n'y a que comme un cas. Le enfant n'a pas besoin d'un instant comme ça. Il n'a pas besoin d'un... C'est-à-dire de la part de l'enfant dans la pensée. Si on veut bien garder les liens familiaux, il faut discuter. Il faut que le, les enfants écoutent les parents. Et les parents aussi, il faut qu'ils écoutent les, les enfants. Comme ça, incha'Allah, on va trouver des solutions. Il n'y a pas... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Tant qu'on n'a pas discuté, quand on n'a pas parlé, quand on n'a euh, pas mis les choses sur la table et on a parlé, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il faut en parler, et il faut discuter et discuter. Regardez, nous, subhanallah, quand on parle avec les enfants, on dit Ah oui, j'ai parlé une, deux, trois, quatre, dix fois peut-être, elle ne m'a pas écouté, je laisse tomber. Non, c'est pas comme ça. Allah azawajal, regardez le premier dans, on a dit euh, que Allah nous a dit, le meilleur exemple, c'est le prêtre, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a enseigné les gens pendant combien de temps C'est pas une année, c'est pas un mois, c'est pas dix ans. C'est 23 ans d'enseignement. 23 trois ans, ce n'est pas, pas... Et nous, subhanallah, on parle avec l'enfant deux, trois fois, on laisse tomber. C'est pas comme ça. Et les enfants, il faut écouter les parents. Il faut bien écouter les parents. Mais il faut que vous discutiez. Il ne faut pas dire « Non, mon père, il ne veut pas une côté. Cherche, peut-être, le message avec toi, ça ne passe pas. Cherche quelqu'un d'autre pour passer le message. Tu vas voir son ami, un ami à ton père, un ami à ta mère, et tu lui parles. Comme ça, peut-être, le message passera mieux, Inch'Allah, Allah. wa Ta'ala. Inch'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tawfiq l'anwalakoum, al-jami'l-muslimina. Amin. Puis, si nous voulons ta de la dhara al-hijra, ou l'ghurba, dans ce temps, c'est... الناس خرجوا كثير من البلاد نتاعهم ومشاو يعيشوا في بلاد الغربه هذا يعني شيء لا نقول طبيعي 100% في ولكن نقول شبه طبيعي باش الإنسان يخرج من بلاده ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة كم من سنة ثم انتقل إلى المدينة وربما هذه الهجرة التي يتكلم عليها الناس كثيرا ربما فيها خير ربما اذا كنت حقيقة مسلما حقا ربما تجر بعض الناس للاسلام ان شاء الله تبارك وتعالى اذا كنت يعني تاخذ بالاسلام وتاخذ بالنصائح التي هي موجوده في, في الاحاديث والتي هي عندنا في القران الحمد لله ربما تكون هجرتك هذه خير ربما تكون هذه الهجره فيها ان شاء الله تجبد الناس للاسلام وتدفع بالمسلمين الى الخير ان شاء الله وربما هذا الانسان الذي كان ينظر للاسلام بشيء من الغرور وشيء من القبح وشيء من كذا ربما تغير نظره نتاعه على الاسلام ويرجع باذن الله تبارك وتعالى الى طريق الخير والصواب ان شاء الله تبارك وتعالى دونك quand on parle d'immigration bien sûr je veux pas dire que C'est bien à 100%, mais peut-être que c'est bien le hijra, l'immigration, peut-être que c'est bien. Regardez le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pendant combien de temps à, à la Mecque Et c'est son pays natal, c'est là qu'il est né le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'il y a sa famille. Mais il a vécu 10 ans, après il est reparti, il est parti, subhanallah en Yathrib, il est parti en Médine. Pour, pour, pourquoi il est parti sallallahu wa sallam. La première des choses, pourquoi il est parti, parce que c'est un ordre d'allah wa taala. Et la deuxième des choses, pour passer le message au monde, pour passer le message. Son message sallallahu wa sallam qui n'a pas passé comme il faut à la Mecque, qu'il a passé très bien en Médine insha wa taala. Donc notre hijra, nous aussi, ou notre émigration nous aussi. Si on tient à la religion, hein, si on prend bien la religion en main, bien sûr que notre Hijra, ou notre immigration, il n'y en aura que du bien là-dedans, Inshallah. Pourquoi Parce qu'il y a des gens, subhanAllah, qui en ont peut-être une vision sur l'islam, sur les musulmans. Ce n'est pas bien. Ils regardent les musulmans comme des, des tueurs, comme des, 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 des terroristes. Comme des, des voleurs, comme des sales et tout ça. Mais quand ils voient le comportement d'un bon musulman, je dis bien un bon musulman qui tient à leur religion, peut-être que leur vision sur l'islam, il va changer. Leur vision sur l'islam, Inch'Allah, il va changer. Et ça, euh, je le dis pourquoi Parce que euh, moi, je vis en France pendant euh, presque 45 ans. Et je sais ce que c'est euh, un musulman. Et je, un bon musulman, et je sais ce que c'est un musulman qui est un peu euh, en dehors du chemin. Je sais ce que c'est. J'ai mis des enfants là-bas, alhamdulillah, et j'ai grandi là-bas, j'ai passé plus que 45 ans, et je sais ce que c'est pour attirer les gens et pour respecter les gens. Parce que quand tu respectes, et tu prends seulement l'exemple des, des, des Sahab, tu prends l'exemple qui est a dans le Coran, c'est quoi un musulman alors, les gens, ils vont te regarder avec un respect. Parce que si tu, tu, tu veux être respecté, il faut respecter les autres. Tu t'en fous s'ils ne sont pas musulmans. Mais Inch Allah, si tu les respectes, ils vont, voir, ils vont regarder d'une image différente de l'image d'avant, comment ils regardaient les musulmans. Ils vont dire ça, c'est un bon musulman. Ça, c'est un vrai musulman qu'il faut suivre. Ils vont te revoir, subhanallah, ils vont voir à travers toi, ils vont voir. Ce que c'est quoi l'islam? À travers toi, à travers ton comportement. Mais si tu vis, si tu veux vivre dans le, des conditions qui sont vraiment, tu lâches l'islam. Tu veux faire ce qu'ils font les autres. Tu veux vivre comme euh, ils vivent eux là-bas. C'est normal. Ils vont dire ça. L'islam c'est pas comme ça. Lui c'est un musulman. Et l'islam c'est pas ça. Et ceci, أن يحترمك الناس وأن يقدرك الناس والحمد لله نحن نعيش في ديار الغربه ونعرف كيف نتعامل مع الناس مع غير المسلمين ونحن لنا اصدقاء كثير من غير المسلمين ونحن ان شاء الله نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم ان هذه الرساله المباركه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلغوا عني ولو ايه Donc, nous, dans l'Ardeh hijra nous, dans le, les pays d'accueil, on va essayer de respecter ou de faire comme le Prophète a dit passer mon message même avec un hadith, même avec un aya. Ce qu'il faut faire pour vivre tranquille là-bas, il faut respecter les autres. Et quand ils respectent les autres, je suis sûr que ils vont te respecter, Inch'Allah. Un autre mot, Inch'Allah, pour finir. Y a, moi, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de failles ou beaucoup de, de problèmes entre les enfants et leurs parents. Parce que les enfants, ils veulent, ils veulent, ils veulent vivre d'une façon un peu différente que les parents. Mais ça, c'est tout à fait normal. Comment tu veux qu'un enfant qui naît là-bas qui a grandi là-bas, tu veux qu'il vive dans les mêmes conditions que tu, à, 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 euh, quand tu étais petit, toi, dans le pays natal. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est là-bas. Il a des amis. Euh, combien il reste à la maison Il ne reste pas beaucoup. Par rapport à l'école, par rapport à ceux qui passent dehors, il passe beaucoup de temps dehors qu'à qu la maison. Alors il faut lui donner des exemples. Il faut lui montrer. Sans toucher, la, sans toucher la religion, hein, la religion c'est quelque chose qu'il faut, intouchable, il ne faut pas toucher ça, la religion bien sûr, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre qu'il vit avec des amis qui ne sont pas musulmans et qui, sont, et qui ont des conditions de vie qui sont différentes de nous. Par contre, il ne faut pas lui dire voilà, fais ce que tu veux, lâche-le vivre comme il veut, non. Quand il y a l'occasion, tu lui parles. Voilà, l'islam nous a dit de faire ça, nous sommes des musulmans, on est différent des autres. D'accord Mais il faut respecter l'islam, mais il faut respecter les autres aussi, parce que ça, je vois, moi, je, je vis là-bas, je sais ce que c'est, ça fait beaucoup de, de, de problèmes entre les parents et les enfants, que les enfants, ils veulent vivre leur vie comme les, les jeunes de là-bas, et les parents, ils ne les laissent pas faire. C'est normal, s'il y en a un peu des différences. Mais il faut leur comprendre, il faut en parler encore une autre fois, il faut discuter. Tu veux vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas y aller là, il ne faut pas faire ci. Et tu lui montres doucement. Quand tu vois que le méchage passe, tu parles. Quand tu vois que l'enfant, il a commencé un peu à, à, à grogner, ou il a commencé un peu à lever la tête, ou que ça, laisse les paroles, il parle d'autre chose. Après, tu reprends les discussions. Le président sallallahu alayhi il en a parlé pendant 23 ans. Alors toi, tu ne vas pas dire, oui, j'ai parlé, non, non, je ne peux pas, je laisse tomber. Non, tu parles. Quand tu vois que le message ne passe pas, tu arrêtes, tu parles d'un notre sujet, mais tu reprends les paroles, Allah, et tu lui montres l'éducation des, des musulmans, comment il faut y être pour être un bon musulman. Il faut respecter les autres et il faut vivre. Bien sûr, le président sallallahu alayhi wa sallam, il avait des voisins qui sont juifs. Hein? il y avait des voisins qui n'étaient pas musulmans du tout à Médine et à La Mecque et tout mais son comportement wa sallamah, bien sûr il a tiré les gens vers lui c'est pour ça qu'il faut le comportement il est très 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 important pour vivre tranquille wa فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أبنائنا وأبنائكم قدوة صالحة وأن يوفقنا وإياكم لهم للتربية الحسنة إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين